Les enfants, ce n'est pas seulement les citoyens de demain, c'est les citoyens d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a vraiment à prendre en compte que, et j'entendais quelqu'un parler des tout-petits, et je crois en effet que c'est une attitude qui est d'emblée à avoir, et du début, et comme vous le dites Eric, jusqu'à la fin de la vie, de pouvoir être considéré comme sujet. Il me semble qu'il y a là une espèce de moteur avec toutes les contraintes, toutes les limites, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, de considérer cette part active de l'être humain, et dès son plus jeune âge. Voilà, je dirais qu'il y a là une chose à soigner aujourd'hui. Après, ce que ça donnera demain, on n'en sait rien, mais aujourd'hui. C'est très important. Et je sens aussi que ça peut être intéressant de se rappeler les enfants qu'on était. Alors, on était des enfants, on a des âges différents, dans des contextes différents, mais de ne pas oublier ça. Quelles contraintes on a subies, quels besoins on a pu exprimer ou pas. D'être en lien avec cet enfant qu'on a été. Et de penser aussi les projets en ne l'oubliant pas. Et puis, moi, je pense qu'il n'y a pas de trop petits projets. Le conseil que je pourrais donner, c'est on peut faire des choses très simples. On n'a pas besoin d'avoir des très grands moyens. Et puis... Une ville, une commune, un village, un bourg, c'est toutes sortes d'habitants. Parmi ces habitants-là, il y a des enfants. C'est des habitants à part entière. Voilà, c'est tout.